Bon, le froid, c'est bien. Mais il existe un autre gros problème dans le monde merveilleux de la moto, et je parle bien sûr de l'eau. Celui-là, on y a le droit toute l'année en plus. Alors, est-ce que tu es plus team combi pluie, team la météo va s'arranger, ou encore de ceux qui ont un équipement avec une membrane étanche intégrée? De mon point de vue, j'oscille entre l'optimisme et les couches étanches intégrées. La combi pluie, ça prend de la place, et quand il pleut plus, bah, il y fait une chaleur à mourir dedans. Cela dit, si tu n'as qu'une veste été ou mi-saison, et pas un équipement dédié au froid ou à la pluie, c'est une solution carrément économique pour rester au sec. Sinon, il existe tout un tas d'équipements intégrant des couches isolantes, que ce soit thermiquement parlant ou contre l'eau, ou même les deux. Que ce soit les vestes toute saison comme la All One Canyon Evo, ou les modèles en plusieurs couches comme l'Ixon Ragnar, qui a une doublure étanche et une doublure thermique qui peuvent s'accrocher ensemble, on trouve de tout et à tous les tarifs. C'est une solution un poil plus coûteuse que la combi pluie, mais qui, je trouve, est bien plus pratique.